Bonjour, 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 bonjour. Hello, 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 hello. Ladies and gentlemen, welcome to the Farmer Simulator Show. Oh, bah voilà, ça commence bien with Mr. J. Yes, it's alright. Alors, on va se faire un petit truc. On va se faire un petit truc, on va se faire une petite présentation de la map Coronella. Je sais qu'il y a déjà eu plein de présentations. Mais en fait, moi, j'ai découvert plein de nouveaux trucs. Et en fait, il y a eu une mise à jour, surtout. Et il y a plein de trucs qui ont changé. Donc là, c'est toujours les vaches qui sont pas à nous. Voilà. Là, c'est toujours les vaches qui sont pas à nous. Nous, on va aller par là. Ah, mais alors, attends, je regarde juste un... Ben non. Voilà, ok. Là-haut, il y a le truc de... Alors, parce que j'ai vu qu'il y avait deux fermes qu'on pouvait pas voir. Et surtout, c'est les bâtiments pour faire la farine, l'huile et le fromage qui ont changé. Donc là, ça, par contre, j'avais pas vu non plus. Ça, c'est une ferme à vaches. Que par contre, là, on peut acheter. Celle-là, on peut l'acheter. Bon, là, elle est vraiment toute petite. Le terrain est pas très très grand non plus. Et si on achète, bon voilà, mais si on achète cette ferme, quand on l'achète, on a ce terrain aussi. Donc là, on peut faire des bâtiments, des trucs, des machins, des bidules. Donc là, on peut avoir au moins une ferme qu'on puisse utiliser nous-mêmes, voilà, genre. Donc ça déjà, c'est pas mal. Moi, je l'avais pas vu avant. Alors je sais pas si c'est depuis la nouvelle mise à jour ou pas. Je peux pas vous dire. Pas vous dire, enfin voilà. En tout cas, bonjour tout le monde. Déjà, hop, tac, je sais pas si merci. Hop. Donc, il y avait ça. Moi, il y avait ça aussi. Je sais pas si ça a changé. C'est le pour faire les planches de bois. Pour faire les planches de bois. Hop. Donc, là, il y a les planches de bois, mais en fait, après, c'est toujours un peu le même bâtiment. Vous allez voir. Avec les palettes là. Donc là tu vides tes copeaux de bois là-bas. Ah, il y a le petit le bruit de V8 là. C'est bon ça hein. Copeaux de bois là, puis je pense que ça doit sortir les planches de l'autre côté, mais il y a si je sais pas. On verra à la longue. Hop, donc là, on repart. Oh là là, attends, je me mets comme ça. Oui, vas-y garçon. Donc là, important. On arrive. Donc là, on est au champ 34. Non. Là, on est au champ 34. Vous pouvez voir qu'il y a déjà 2-3 panneaux qui sont... Donc là, maintenant, c'est là. Pour la farine. On arrive là, on rentre. Molino de Arena. Production de Arena. Ok. Donc là... Alors voilà, c'est toujours un peu le même bâtiment. Je pense qu'il a dû... Peut-être que ça buguait trop. Il y avait trop de trucs, trop de machins. Pas pareil, tu peux pas les prendre à la main. Et tu peux rien prendre. Enfin, après, voilà, j'ai juste fait la farine. J'ai pas fait les autres choses. Donc voilà, tu vides là-bas. Hop, tu vides ton blé là-bas ou ton orge. Hop, tu les récupères là. Voilà, donc ça, c'est le nouveau point de vente pour la farine. On est au champ 34. Au champ 34. Je vais vite parce que j'ai mis un quart d'heure. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu. C'est juste pour vous montrer. Je me plante de direction. C'est par là, on a dit. Hein. Yes. Et non. Tu t'es trompé encore une fois. Je sais pas pourquoi à chaque fois je veux partir là-bas. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Donc là, je pense que ça a pas trop changé. Allez, go. Voilà. Allez. Elle est longue au démarrage, mais après elle va bien. Elle va bien. Donc là, on arrive là. Parce qu'à un moment donné, il y a les... Voilà, c'est là. Là, c'est pareil. On peut acheter. Donc là, de ce côté, il y a une grosse ferme. Et là, j'ai les bâtiments de stockage, tout ça. Mais là, on a aussi une ferme à moutons qu'on peut acheter. Alors moi je pensais que dans le jeu il n'y avait que les fermes qu'ils avaient eux
voilà, qu'on emmenait les trucs, mais que c'était pas vraiment notre ferme, quoi. Bah là, si, en fait. Là, tu peux acheter ça. Tu peux acheter... est-ce que ça y était avant la mise à jour? Je ne sais pas du tout. Donc, j'ai découvert les vaches, les moutons. Là, il y a une énorme ferme. On va aller faire un tour. Là, on peut faire un truc aussi, là. Une énorme ferme avec des silos. Des silos... Je sais pas, c'est lié, je sais pas. Bon, moi, j'ai pas beaucoup joué. J'ai joué une demi-heure. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est... Petite ferme là, voilà. Bah, nickel, hop, avec de l'autre côté on peut y aller aussi. Le truc pour mettre le fumier, je pense qu'il devient comment on dit, purin quoi, voilà, ouais, purin. Donc avec voilà la petite maison en dessous, hop, donc ça peut être une deuxième ferme. On peut se dire que le voilà. Enfin voilà, hop, tac, on ressort. Je voulais. Allez, on va voir maintenant. C'est le fromage. Alors, le fromage, on y va au fromage. On y va au fromage. Donc, j'ai pas découvert s'il y avait une. Je pense, hein, normalement, je sais pas où c'est. Une ferme aux cochons à acheter. Ça, j'ai pas découvert, je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Go. Go, 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 go. Alors attends. Ouais, c'est par là. C'est là. Après, on continue là. On continue là. Et là. Là. C'est pour le fromage. Huesos artesanos, la colonne est là. Ok. Alors, production de huesos. C'est. Donc là. Bah, toujours le même bâtiment. Donc là, j'ai encore rien emmené. Hein. Là, c'est du lait. Enfin, là, voilà. Là, on met le lait. Hop. Là, on récupère nos palettes. Va falloir acheter 2-3 fenwick. Va falloir acheter 2-3 fenwick. Et là, maintenant, je vais vous montrer. Donc là, on est vers le champ 21, quoi, en face. En face du champ 21. Et maintenant, on va aller voir l'usine à huile. Pour que tout le monde... Voilà, je sais... Si ça sert à quelqu'un, c'est bien. Donc ça, c'est là le... Oh là 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 là, je passe sur les trucs, je regarde. Ça, c'était le... Ça, c'est la ferme aux moutons, mais du jeu, quoi, de... Voilà. Ah, hey, t'inquiète, va arriver. Mais je pense que c'est pas mal qu'on achète notre truc là. Alors attends, là faut tourner là. Yes, on est bon. Ah, le petit chemin, j'ai jamais pris. On va le prendre. C'est un. Oh là là là. C'est un petit raccourci. Oh là là, c'est pas. En fait, je regarde la carte et je regarde pas où je vais. Allez, je regarde où je vais. Go. 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 Hop. Hop. Voilà, là, le V8 s'est métamorphosé. Et là, j'espère que je peux passer. Oui, génial. Top. Donc là, on remonte là. Attention, panneau stop. Ouh, 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 on repart là. Ah, ouais, alors ça aussi, c'est sympa. La route qui se divise en deux, c'est sympa. C'est sympa. Je crois que c'est là, il y avait un panneau à 8 tonnes que j'ai racheté. Ouais, j'ai fait un peu de blé. Pour bah, commencer la farine, pour voir un peu comment ça se passait, tout ça. Mais ça, je... Alors voilà, donc là on arrive à l'usine de Molino de Asiente, la colonna production de Asiente. Je sais pas. Je parle pas trop espagnol, faudrait que ça se dit comme ça. Je demande à mes fils. Hein, ok. Alors, bon voilà, donc cette parenthèse familiale, excusez-moi. Et hop, tac, 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 tac. Donc voilà, là c'est pareil. Alors c'est dommage, je pense qu'on peut plus prendre dans les mains. Avec la farine, j'ai essayé, on peut pas la prendre dans les mains. Après,
Voilà l'usine où elle se trouve. Donc celle-là, c'est au champ 11. Récapitulatif. Voilà. Alors, l'usine d'huile au-dessus du champ 11, au nord du champ 11. L'usine de fromage, maintenant, elle est au champ... Enfin, au champ, elle est vers le champ 21. L'usine de... L'usine pour faire les la farine, elle est au... vers le champ 34, au-dessus du champ 34, avant le S. Il y a un parc à vaches à acheter entre, si vous voulez, le 29 et le 30, quoi. Et le petit truc des moutons, ça devait être peut-être en dessous du 33, je sais pas, j'ai pas regardé. Voilà. Alors, j'enlève ça. Hop. Ça, la petite voiture, je sais pas si je la garde ou pas, parce que du coup, moi, je voulais la garder, parce que on... je voulais la garder. Bon, ouais, je viens de commencer, j'ai fait qu'un champ, là. Je fais juste le champ là-haut, là, j'ai pas fini encore. Hop. De toute façon, la prochaine vidéo, je vous ferai comment... Ouais, on va faire des trucs, là. Je pense avec la nouvelle mise à jour, ça doit mieux marcher, parce qu'il paraît quand même qu'elle était quand même assez dure à jouer. Enfin, pas dure à jouer, mais ça buguait tout le temps, voilà, que des prises de tête, des machins. C'est vrai que ça saoule au bout d'un moment. Donc, je vais un peu y faire sur cette map. J'ai revendu quand même... Ah ouais, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc impressionnant. Je vais vous montrer un truc impressionnant. Il est où? Alors, il y a celui-là et celui-là. Celui-là, je laisse ça là. Attention. Je vais vous montrer un truc. J'espère qu'on a le temps. Alors là, c'est un truc... La ferme, elle est où? Faut que je reparte à la ferme. Faut que je reparte à la ferme. Vous allez voir l'autre tracteur. C'est énorme. La différence avec le John Deere. Ça se demandait, quoi. Ça se demandait. Attends, c'est où elle était la petite bosse? Il y avait une petite bosse dans la ferme. Hop, j'enlève ça. Regardez. Alors regardez. Hop, là. Le John Deere. Il n'y a rien qui bouge, quoi. Messieurs avant, machin. Enfin, ça bouge, mais voilà. Hein? On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Regardez le... Le Stara ST Max 180. Alors, attends. Regarde le délire du tracteur. Et tu vois, c'est des tracteurs qu'on prend pas souvent. Alors, Stara, c'est quoi? C'est espagnol? Si c'est une map... Parce que vu que c'est une map espagnole, c'est peut-être des tracteurs espagnols. Je sais pas. Je vais me renseigner. Je vous dirai la prochaine fois. Regarde, regarde. Regarde le pont avant. Non mais sans déconner. C'est un truc de malade. Eh. C'est un truc de malade. Regarde-moi ça comme... Il bouge dans tous les sens ce tracteur. Enfin le pont. Regarde le pont comme il bouge. C'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas si c'était dedans, comment ça fait. Ok, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. On le laisse là. Hop. On va prendre le John Deere. Alors là, c'est les tracteurs du... Voilà, hein, c'est pas le John Deere modé ou machin, rien. Hein, c'est le tracteur quant à la map. Voilà. J'ai gardé le John Deere parce qu'il y a quand même pas mal de chevaux. Alors attends, regarde. Non, sans déconner. Moi, je trouve que l'autre, c'est quand même vachement plus impressionnant. Non? Non? Je sais pas, regarde quand t'es dedans là. Bon, ça bouge, mais moi je trouve que c'est... Enfin, je sais pas. Enfin bon, c'est peut-être moi. Mais. Sans déconner. Sans déconner, je ne sais pas du tout. Enfin voilà, bon, j'espère que. Ça vous aura. Oh, ben voilà! Ben voilà, ça se finit. La vidéo se finit. Écoutez, ben, j'espère que ça vous aura bien aidé, si jamais, je sais pas. Vous verrez.
Et si jamais, merci pour les pouces bleus.